Salut à tous, c'est le Flingue. Aujourd'hui, on se retrouve sur deux coups. Du coup, c'est parti, let's go. Hey, salut, c'est la bêta. Moi, c'est Wayne. Je veux bien te prêter une caisse si t'as ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut? Prends les clés, mon ami, et tu le sauras. Si tu gagnes, tu gardes la voiture et tu pourras participer à de vraies courses. Et si tu perds, je reprends ma bagnole et c'est ciao. Mais tu vas pas perdre, pas vrai? Non. Bien sûr que non. Bon, dans l'histoire, Silor a fait aussi une vidéo. Du coup, le mec a dit, ok, je te donne une bagnole et qui vaut sûrement des centaines de milliers de dollars. Et si tu perds, si tu gagnes, je te donne ma voiture. Et si tu perds, ben, j'arrive mon gars. C'est un peu comme ça, comme Silor. Pourtant c'est facile, c'est juste un fantôme, mais plus tard t'auras su corser. Arrivé bientôt. On va prendre le jump là-bas. Oh là là, shit. Le but dans ces courses là c'est du drop throw là, mais le but c'est pas aller nécessairement trop vite pour ajouter les vitesses et aussi freiner avec ça. Mais si vous voulez gagner ça. Avec un beau drip à la fin. Pas mal. Faut qu'on parle de ton avenir, toi et moi. Ouais. Allez, viens, je vais te montrer Basecamp. Et ta nouvelle voiture. Super. Petit coin de paradis du hors-piste. On y trouve toutes sortes de pilotes. Ceux qui tracent, ceux qui grimpent et ceux qui gagnent. Je parie que toi, tu veux faire partie du troisième groupe. Ouais. Lui, c'est Tucker Morgan. Mais tout le monde l'appelle Tuck. Il se prend pour le champion du coin, mais on va montrer à cet amoureux de la nature à quel point il a tort. Il passe son temps à explorer des nouveaux coins. Beaucoup de mecs font ça ici, mais ils se plantent. Il ferait bien mieux de se concentrer sur les courses. Mais s'il s'entraîne pas, ça nous arrange. Mmh. Toi, comme moi. Oh, t'as vraiment... En fait, quand t'auras un moment, passe à l'atelier pour récupérer ta bagnole. Vois ça comme un investissement pour ton avenir. Les autres modèles, par contre, t'oublies pour l'instant. Faudra que tu les gagnes. Ou que je les paye. Tu vois, il y a 4 disciplines. Tu vois, il y a tout. Bah, selon les affaires. Récupérer votre. Je sais pas quoi. Du coup, au début, ils sont gentils, ils te donnent un véhicule, mais comme là, ils disent, les autres, faut les gagner. Du coup, on va récupérer le véhicule. Two. One.
Et l'ennemi, on va gagner. On a réussi les amis. Et du coup, c'est ça qui va peut-être conclure cette vidéo, on ne sait pas. Mais regarde, ça t'a rapporté du loot. Tu devrais aller le prendre. Je suis sûr que ça pourra nous être utile. On va aller chercher le loot et ensuite on va se laisser. Quand t'es pilote, il y a toujours un moment où tu réalises pourquoi tu cours. Pour moi, ça a été le jour où ma mob est partie d'un côté et moi de l'autre. Je me suis cassé deux côtes. Bon, après, j'ai ramassé la mob, je suis remonté et j'ai continué. Et je l'ai gagné, la course. Il n'y avait pas moyen que je la perde. Les détails, c'est juste des trucs que tu racontes après. T'entends ce bip, là? C'est ton radar qui indique qu'il y a une récompense live à proximité. Plus qu'à suivre les bips pour la trouver. Plus t'es proche, plus les bips sont rapides. Vas-y, essaie. Le loot contient des pièces que tu peux utiliser pour améliorer tes véhicules. Alors ramène-en autant que possible. Ah, oh, c'est bien ça! Jusqu'ici, on avait eu que du loot vert. Mais le loot d'autres couleurs contient du matos encore plus cool. Oh, on l'a eu. Tu l'as trouvé. Bien joué. Les récompenses live peuvent apparaître un peu partout. Tu peux utiliser ton radar pour les localiser. Tout pour cette vidéo. Si le cas, mets un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'oublie pas d'activer la petite clochette pour être la fin d'une prochaine vidéo. Je fais des gameplays bien sûr sur PS3, PS4, Xbox One et Switch. Et aussi, c'est ça, du coup, il y aura des liens en description. Les liens des chaînes en description, il y aura beaucoup de crew, surtout cette semaine. Mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Du coup, c'est pas mal ça. Tout sera en description. C'est pas mal ça. Du coup, j'espère que t'as aimé cette vidéo. C'est le flingueur. Ciao, ciao. Et vive les jeux vidéo.